Bonjour, bienvenue sur ce nouveau Full Set Channel. Aujourd'hui, on est à Tailspin, Super Baloo en français par Capcom. Allez, ça commence tout de suite. Donc ici on a Miss Cunningham qui est là et sa fille qui est la patronne de Baloo qui lui dit sors de ton hamac et secoue-toi. Ton carnage, les pirates ont intercepté un avion cargo, donc fais-moi une faveur. J'ai un très très bon anglais comme vous pouvez le voir. Donc c'est l'époque où Capcom s'était associé à Disney pour faire des jeux. On a ici un très très bon shoot. C'était quand même la très très grande époque de Capcom à l'époque. Don Carnage qui parlait toujours comme Chash, avec le main Chash à balayage. Il avait un très fort accent qui est un des ennemis de Baloo. Donc c'est une adaptation en fait de la série télévisée Super Baloo, qui est une adaptation, en fait c'est les animaux du livre de la jungle de Disney qui sont dans un univers situé dans les années 40, fin années 30, début années 40. Des fois on parle de la Grande Guerre. Donc Baloo qui et voilà, j'ai perdu, allez, première vie. Alors dans ce shoot avec une touche, avec la touche A, on peut revenir en arrière, ce qui est plutôt pas mal et qui va pouvoir nous sortir de situations assez délicates parfois. Alors ok, je sais comment prendre les cœurs. Pas comment éviter les ennemis par contre. Alors faut garder son sang-froid en fait. Et comme ça on peut aller chercher les trésors un petit peu partout. Je sais pas s'il y a beaucoup de shoots en fait qui permettent de changer le sens du scrolling. Super Baloo dans la série, des fois il est aidé d'un petit ourson qui s'appelle Kit, qui est un petit peu son fils adoptif dans la série. Allez, easy peasy, le lapin. Ah, ça, je peux pas le passer. Easy. Voilà, tiens. À bientôt arriver au boss. C'est un jeu qui fait partie de la compilation The Disney Afternoon, qui est sorti sur Xbox, PS4. Je vais arrêter de parler quand il y a les boss, moi. Aïe. Ah, et voilà. On me dit qu'il a été complètement... Non, mais je recommence pas devant le boss. Ah, c'est ignoble, ça. C'est vrai. Alors apparemment il est pas sur la jaquette de The Disney Afternoon Collection. Alors je veux la vie, mais en fait ça va me coûter plus cher. Ah non, ça va, ça m'a redonné les 3 points. Alors les problèmes de son avion à Baloo, c'est le tir. Il tire très lentement. Alors si vous vous demandez ce qu'est l'avion de Baloo dans la série, c'est un Conwing L16. C'est en fait la fusion de deux avions. J'ai plus la vie là. Ah, j'ai pas compris que les crochets était bloquant. Game over. Allez, très très bien. On va recommencer. Ah, continue. Non. Je pense que j'aurais peut-être... Alors ça, c'est les pirates de l'air qui sont au service de Shere Khan. Shere Khan, le tigre dans le livre de la jungle, qui est ici le commanditaire de Don Carnage, qui vient de s'enfuir, mais qu'on retrouvera sûrement...
petit lag de la NES. Les bulles, hein, bien sûr, la logique dans les jeux vidéo, les bulles, ça peut casser un avion. Hein. Va-t'en, lapin! Allez! Ok, je pense qu'il faut vraiment gérer le retour, hein. C'est un peu... C'est quand même à des années-lumière, on peut tirer en diagonale en montant. Je récupérerai une vie tout à l'heure parce que je sais où il y en a. Aïe! Ah! Je pensais pas que c'était un cœur. C'est vrai, il y a Hop qui me dit. Oui, on va mettre Balou dans un avion dans les années 30. Allez, on va pas être trop gourmand. On va voir comment il réagit un peu. Ouais, le sous-marin. Bon, on va être gourmand. Pas aller dans l'eau. Hein. Ouais, stage infini. Donc après, il y a du scoring. Alors, ah, je me rappelle plus comment s'appelle le mécano. Enfin, plus un personnage original comme Miss Cunningham ou Molly. For Takeoff, The Part of the Sea Duck. Alors le Sea Duck, c'est c'est l'appareil, l'avion de Baloo qui s'appelle le Zingaloo. On va le réparer. Ah ouais, j'aurais dû prendre plus d'argent là en fait. Super rapide. Pass for the Body. Mini Sea Duck, 1000. Alors j'ai combien? Je vais prendre des... Ah, j'ai passé, ouais. Je crois que j'ai acheté un continu. Hein. Allez, j'ai acheté deux continus, c'est pas mal. Bah allez, c'est fini. Allez, nouvelle mission de Miss Cunningham. Qu'il y a un brin de romance entre... Oula, entre Baloo et elle. Ok, là je vois pourquoi il faut, va falloir faire gaffe à pas trop revenir en arrière. Turbo, le mécanicien s'appelle Turbo. Eh, je crois que c'est un niveau bonus. Ah, mais c'est Kit. Kit, donc l'ourson... je vous parlais tout à l'heure, qui en fait apparaît dès le premier épisode et avec fait partie des pirates de l'air, et en fait il a une espèce de terreboard sur lequel il surfe, et en fait il est recueilli par Baloo. Alors, voilà, j'ai fini niveau bonus. On a vu pas mal de choses. Croissant d'acier. Wouah! De la vie! Je suis un peu passé en force, et j'aurais pas dû. Ah! Je suis un peu entré en mode panique, et c'était pas terrible. Il y a des gens, ils sont dans le public. Le public est. Franchement. On peut plus se plaindre dans les jeux de sport que le public soit mal fait, hein. Là, maintenant...
Comment appelle-t-on une viennoiserie qui tourne sur elle-même? Un croissant 60, je l'ai lu aujourd'hui. C'était une blague sur Twitter. Bon, j'essayais de pas perdre toutes mes vies. Ok, allez. Waouh. En fait, la difficulté vient du fait que... Oh, il est lance en arrière! Oh là là! J'ai perdu une vie pour en gagner une. Ok, bien sûr, l'ennemi, c'est une... Ah non. Je me suis dit, là, ça aurait été assez particulier, l'ennemi, qu'une une balle de baseball. Ah, bien sûr. Des mines de proximité. Je ne bouge pas. Okay, je pouvais tirer sur les mines. Voilà, on arrive à la... Je vais passer en force. Oh non! Ah voilà, voilà, là si on connaît pas hein, le Die Henry, on voit bien le Die Henry try. Ah mais non, mais... c'est vrai que dans ce jeu, on peut inverser le scrolling. Et du coup, on peut... Ah, c'est pas mal. Voilà, sur ces... Sur ce moment assez palpitant, je vais vous laisser... pour la petite émission montée sur YouTube. Voilà, donc aujourd'hui c'était Tailspin par Capcom. Super Balou, la série animée. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.